Nous avons enlevé la fermeture. Comme cette fermeture, elle marchait bien, juste je voulais vous montrer l'exemple. Donc, je ne vais pas changer pour la nouvelle, je vais remettre celui-là. Mais pour entrer la nouvelle fermeture, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à travailler par le bas. Parce que si votre fermeture elle est plus longue qu'il vous faut, nous pourrons couper là-haut. Donc, le bas, nous allons mettre jusqu'au bas. Ça sera bloqué. Et nous allons attacher grâce aux épingles avec la doublure. Il faudra laisser 4-5 mm de fermeture jusqu'à pliure de notre veste, manteau ou notre vêtement sur lequel vous travaillez. Et nous allons attacher, toujours en gardant cette distance, avec les épingles. Pourquoi cette distance? Pour que le curseur passe assez facilement. Parce que si vous allez coudre le tissu trop près, le curseur ne pourra pas passer et vous serez embêté. Donc, nous allons bien garder toujours cette petite distance. Et nous allons attacher la doublure. Il ne faut pas tirer la doublure, il ne faut pas tirer la fermeture. Juste simplement, on la surpose et on pique. Maintenant là-haut, comme cette fermeture elle est d'origine, pour moi c'est facile à faire. Mais si votre fermeture elle est plus grande, par exemple de 5 ou 10 cm, vous pouvez couper 2 ou 3 cm plus long du bord. Vous allez découper jusqu'au là à peu près. Vous allez le plier comme ceci sur le côté et vous allez rentrer à l'intérieur, comme ceci. La fermeture avec la doublure est prête. Nous avons fait la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de vérifier pour que le curseur il sera bien à l'endroit, pas à l'envers, pour ne pas échanger de deux côtés. Donc il faut bien vérifier ça. Maintenant nous allons voir comment nous pouvons coudre l'endroit du vêtement pour que ça ne se fait pas les vagues, parce qu'en général quand on change la fermeture à glissière, elle fait les vagues. Donc un petit secret. Nous allons tirer, nous allons prendre la fermeture avec la doublure et le couche de tissu par-dessus. Et nous allons tirer ensemble. Dès que c'est bien tiré, nous allons voir il est où la moitié. Et ce moitié, nous allons attacher aussi avec une épingle. Comme ceci, à travers.
Maintenant, nous allons prendre la moitié et nous allons voir la moitié de celui-là aussi. Nous allons le piquer aussi. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. En total, nous allons mettre 3 épingles. Voilà, nous allons tirer au maximum et nous allons voir le milieu. Hop. Pourquoi on fait cela? Parce que sinon, ici pourront apparaître les vagues et ça ne sera pas joli. Maintenant, nous allons prendre une aiguille avec un fil contrasté parce que ça sera la couture provisoire avant de coudre et nous allons l'enlever après. Et nous allons commencer à assembler toutes les couches. L'envers avec la fermeture cousue, pas cousue mais attachée avec les épingles, et devant. Au fur et à mesure, nous pouvons enlever les épingles. Aussi, en regardant bien l'espace de 4-5 mm entre les maillons et le bord de pliure. Et voilà, nous avons fait une bêtise. Je vous préviens, c'est pas grave, je fais exprès pour que vous voyez qu'ici, il faut toujours bien vérifier comment on pique de là-haut jusqu'en bas. Mais comme c'est une couture provisoire, ce n'est pas grave. Il ne faut pas de suite couper le fil et recommencer. Vous allez enlever après quand vous aurez cousu à la machine. Donc, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer. Maintenant, nous voyons qu'ici, il n'y en a pas de vagues, tout est bien cousu. Maintenant, nous voyons ici que ça peut être une grande vague. Donc, nous allons coudre en tirant simplement toutes les couches ensemble et nous allons tenir et coudre. S'il y a un petit nœud qui se forme, ce n'est pas grave, on le défait et on continue. Nous allons tirer à nouveau, nous allons prendre entre les doigts et c'est reparti. Au fur et à mesure, on enlève les épingles qui se trouvent sur la doublure, mais nous allons garder toujours celui-là qui se trouve à l'endroit du vêtement. Parce que quand vous allez coudre à la machine, les petites fronces, ils pourront se faire. Donc, nous allons étirer à nouveau chaque fois et grâce à ces aiguilles, nous allons savoir que ça sera bien placé toujours la fermeture entre deux couches de tissu. Quand vous travaillez avec les épingles, n'oubliez pas de faire attention pour vos petits doigts.
Et ici, nous voyons une grande bosse qui se forme. Donc, nous allons le tirer. Nous allons prendre toutes les couches et nous allons tirer en mettant les doigts au milieu. Et nous allons continuer la couture. Et nous allons faire le nœud à l'envers. Nous allons procéder à la même manière sur l'autre côté. Et après, nous allons rejoindre la machine à coudre. Coudre la fermeture à glissière, n'oubliez pas d'utiliser toujours le pied presseur qui s'appelle ganseur, le pied exprès pour les fermetures à glissière. Donc il y a le côté gauche et côté droite. Cette fois-ci, la fermeture se trouve à droite, donc nous allons utiliser le côté droite. Et en regardant l'épaisseur de tissu, n'oubliez pas de choisir l'aiguille en sachant l'épaisseur de toutes les couches de tissu. Cette comparaison, vous pouvez trouver dans notre cours de couture « Les bases de la couture » volume 1. Pour commencer à coudre au début, nous allons avancer avec les mains. Parce qu'au début, ce n'est pas facile toujours. Et nous allons faire marche arrière. Nous allons remettre l'aiguille et c'est parti. Et nous allons essayer de tirer vers l'avant et vers l'arrière, dans deux côtés ensemble, toutes les couches de tissu, en plus la fermeture à glissière à l'intérieur. Comme ça, nous n'allons pas faire des vagues. Et nous allons finir en faisant marche arrière. Maintenant, nous pouvons enlever les épingles. Et nous pouvons voir que la fermeture bien cousue, il n'y en a pas de fronces, il n'y en a pas de vagues, donc c'est parfait. Maintenant, nous allons procéder à la même manière de l'autre côté. Nous allons juste changer le pied ganseur pour le côté gauche. Quand vous serez plus à l'aise pour travailler avec les épingles, vous n'êtes pas obligé de coudre à la main, vous pourrez juste épingler. N'oublions pas de tirer vers l'avant et vers l'arrière.
Maintenant, nous allons vérifier si la fermeture est bien cousue. Comme vous vous souvenez, nous avons fait une petite erreur, donc ce n'est pas grave. Nous allons simplement couper le fil et c'est tout. Voilà, la fermeture se ferme parfaitement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien qui n'est pas normal. Donc, il ne nous restera qu'à enlever le fil bâti. Pour cela, nous avons fait un couleur différent pour le remarquer bien, pour pouvoir enlever plus facilement. Et nous allons couper toutes les fils. Et maintenant, nous pouvons observer le résultat.